Oh les amis! C'est Bertrand Traoré! Il est beau, pas... il est trop bon! Pas les bébés, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la déculottada de Toulouse. Bref, il y a un problème, les amis. Cahuzac, il a fait une trop grosse faute. Il est viré du ministre, des ministres, du gouvernement, remaniement du gouvernement. Oh. Voilà, il a pris trop de cartons rouges, trop de jaunes dans sa carrière, c'est tout. Il est viré du gouvernement politique, du gouvernement de la République française. J'espère que vous aurez compris où je veux en venir. Hein. Mais bon, il a quand même pris plus de 70 cartons dans sa carrière, ce mec. J'ai calculé tout à l'heure, mes chers amis. Voilà. Alors, il a pris 12, 13 cartons rouges, notre cher ami Cahuzac, et il me semble 73 cartons jaunes, 13 cartons rouges et plus de 70 cartons jaunes. Donc ça fait assez beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on le vire du gouvernement politique. Ouais, j'espère que vous aurez compris où je veux en venir. Bref, voilà. Donc Lyon a mis une branlée aux Toulousains. Ça fait plaisir. Regardez, je l'aime, mon club. Maintenant, je recommence à l'aimer. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, j'ai eu des problèmes de santé, d'autres choses, ne vous inquiétez pas, rien de grave. Tout de suite, les compositions d'équipe. Avec, dans les cages, le numéro 1, Anthony Lopez pour l'OL, Denayer, Marcelo, Dubois, Mendy, Ndombele, Touzard. Voilà un milieu de terrain qui tient, voire il est pas bon en ce moment, faut mettre Touzard, et c'est lui qu'il faudra mettre face au Barça. Bref, voilà. Dembélé, Traoré, Memphis et Fekir. Voilà pour l'équipe lyonnaise. René, Amiens, Sogi, Julien. Voilà, ils sont pas bons. Silla, Cahuzac, Sangaré, Sidibé, Gradel, Corentin Jean et Mathieu Docévy. Voilà une équipe de branquignoles. Hein. Je suis désolé, on se demande. Nous, au moins, dans notre stade, on a la fibre optique. C'est pour ça qu'il y a à Paris, l'arbitrage vidéo se fait à Paris chez eux. Je ne sais même pas s'ils ont la fibre optique carrément. Parce que leur stade archi pourri, peut-être un jour, ils l'auront, leur fibre optique. Mais bon. Pour l'instant, nous on est chez nous, il y avait quand même une belle ambiance malgré que le stade était à moitié vide, donc à moitié plein, ça revient au même. Mais voilà, on va commencer la première période, j'allais dire la deuxième. Oh là là, je suis tellement heureux que je m'enflamme déjà. Bref, deuxième minute, le centre en retrait de Ndombele pour Touzard qui oblige René à se coucher. La frappe était pas mal, peut-être manque de puissance, mais voilà. Lyon est bien rentré dans ce match avec le centre de Memphis, mais Marcelo n'arrive pas suffisamment à redresser le ballon. Dommage. Lyon arrive bien à gérer sa possession de balle. Lyon est techniquement parfait, comme pour tout le match. Les 1-2, voilà, les jeux en triangle, ça j'ai bien aimé, ces décalages, ces jeux à plusieurs, les redoublements de passes, etc. C'était vraiment pas mal. La technicité lyonnaise, on l'a vu, là, elle était sur le toit du monde, hein, dans la galaxie, non, sur le toit de la Voie lactée, comparé à Toulouse qui était dans la boule de la Terre, dans la boule de feu. Voilà. Donc, 10e minute, le centre de Fekir qui a été repris de l'autre côté par Memphis. La tacticité de Memphis et la frappe, il ouvre le score. Memphis qui marque, deuxième but de la semaine après plus de je sais pas combien de minutes sans marquer. Bref, il est de retour. C'est sous la transversale, il me semble qu'elle l'a touché en plus. De René, magnifique, avec à la 15e minute l'erreur. Mais par contre, là, il n'est pas bon ce soir. Il n'a pas été bon, c'est un flop. Il s'appelle Ferland Mendy. Voilà, l'erreur de Ferland Mendy. Et Docevi qui en profite. S'il l'a décalé, il n'aurait pas dû la toucher. Il en profite. Et le but, l'égalisation toulousaine. Je m'en fiche, chez mon téléphone. Bref, voilà, on s'en fiche. Avec 30e minute. Voilà le but du 2 buts à 1, c'est le centre-tir de Traoré, magnifique, comme le but de Memphis, deux beaux buts là pour ces deux premiers buts lyonnais. Ça fait 2 buts à 1, encore la technicité lyonnaise, les jeux à 3, tout, c'est tout parfait, la pelouse, le public, tout, tout, tout. Bref, voilà, 35e minute, c'est Fekir qui obtient un pénalty et qui transforme ce pénalty, un jaune orangé qui aurait été mérité. Il n'a même pas sorti de jaune, monsieur l'arbitre. Justement, je vous parlerai après d'une règle que je mettrai en place. Moi, je saurai la FIFA. Bref, voilà. Donc, 35e minute, 39e minute, la frappe enroulée de Traoré. René sort la parade. Voilà, il n'a pas de chance ce soir, Traoré. 67e minute, la technicité de Moussa Dembélé. Puis la frappe qui finit au fond des filets. 4 buts 1 pour l'OL.
Le 1-2 entre Fekir Ndombele puis le centre du capitaine lyonnais et Moussa Dembélé à la 71e minute pousse le ballon au fond des filets et ça, il a inscrit un doublé. Et puis en fin de match, dans le dernier quart d'heure, il a cru faire une passe décisive pour Traoré, mais Traoré était a priori en position d'hors-jeu. Je ne prendrai parti de personne là-dessus. J'ai pas trop bien vu au ralenti, comme disaient les commentateurs, il fallait s'arrêter pile au moment du départ du ballon. Et on n'a pas pu revoir. Alors j'espère revoir tout à l'heure au CFC, mais bon voilà. 90e minute, le centre de Fekir et Memphis rate l'occasion. Oh putain, il retombe dans ses travers. Bref, voilà. Il manque l'occasion de se faire un doublé. 91e minute, toujours pas de premier but pour Ndombele. Mais putain, Ndombele, t'es le meilleur 8 au monde, mais marque un but en Ligue 1, s'il te plaît. En Coupe d'Europe, c'est bien, mais il faut marquer aussi en Ligue 1. Ndombele, ça passe juste à côté, elle était plus simple cette frappe. Bref, Lyon était parfait ce soir. On a vu un grand Olympique Lyonnais, un Olympique Lyonnais qui peut se surpasser quand il veut. Voilà, pour une fois, ils ont choisi ce match de jouer bien face à Toulouse. Et bah, c'est bien. Voilà, ils ont choisi le bon match pour se mettre en confiance. S'ils jouent comme ça face au Barça, le Barça, il va falloir qu'ils réfléchissent comment contrarier le jeu lyonnais. Bref, mais bon, Toulouse n'est pas le Barça non plus, les amis. Voilà, donc qu'est-ce que je disais? C'était bien, la construction était bonne hein, côté lyonnaise. Bon, il y a eu beaucoup de déchets côté défensivement. Mais bon, voilà. Il y a eu un carton rouge quand même pour Cahuzac. C'est lui qui a concédé le pénalty. Alors il l'a repris avant ce carton rouge, puisqu'il avait déjà un carton jaune. Mais là, ça va être encore plus gros. Ça aurait été double jaune. Là, ça a été encore plus gros parce qu'il l'a sorti direct. Donc ça va être conseil de discipline. Et oui, on se croit à l'école, encore au collège, au lycée, en primaire. Bref, conseil de discipline, enfin à l'AFP, là, machin truc. Et au moins deux matchs, puisqu'il a été sorti direct, le rouge, normalement, c'est ça le règlement, si je me trompe pas, dites-le moi dans les commentaires. Oui, José est en pleine forme et est heureux, enfin en pleine forme, non, à cause de mes problèmes personnels, mais est heureux grâce à cette victoire de l'OL. Bref, les tops et les flops, c'est tout de suite, mais en tout cas, allez l'OL. Donc, les tops, les flops, le top, le premier, c'est Moussa Dembélé, superbe. Alors, il a bien été, hein, il a été collectif. Il a marqué deux buts, bon deux buts, un qui a été facile et l'autre super techniquement. Et c'est l'un des hommes de cette rencontre, Moussa Dembélé. Le deuxième, Nabil Fekir, le capitaine. Il a obtenu un penalty, il a fait une passe décisive, ou deux peut-être, je ne sais plus très exactement. Il était bien, c'est l'homme fort lyonnais du moment, Nabil Fekir, le capitaine. Franchement, c'est parfait, on pourrait mettre toute l'équipe en top. À part Ferland Mendy, bien sûr, qui n'a pas été super, qui a perdu des ballons maintenant, mais on va pas tous les mettre, bien évidemment. Voilà, ça sera les deux seuls que je retiendrai ce soir. Bertrand Traoré, on va mettre aussi. Allez, Traoré dans les tops, il a été bien. Techniquement, ça a été bien, j'ai trouvé. Bon, il y a eu encore un peu de déchets, mais il aurait mérité de souffrir un doublé. Je ne prendrai position de personne sur ce but refusé pour jeu, comme je vous dis, il faudrait que je revoie. Bref, maintenant, les flops. Donc les flops, je veux mettre la défense de Toulouse, hein, toute la défense et en gros en haut Jérôme Cahuzac, voilà, ça vient de la boutade, excusez-moi. Comment il s'appelle? Cahuzac, voilà, je m'en rappelle plus de son prénom, de Toulouse, j'allais dire le Croate, le Corse, voilà, Yannick Cahuzac. Voilà, en premier avec ses fautes grossières, son rouge mérité parce que. Bon, le Lyonnais n'est peut-être pas forcément but, mais c'était le dernier défenseur, il n'a peut-être pas fait le scrum, il l'aurait mérité avant. Donc voilà, c'est logique. De la manière, Arthur me l'avait dit, il n'est pas là pour la vidéo, mais il me l'avait dit, il va se prendre un rouge et ça va faire 5-1 pour Lyon. Voilà, monsieur carton rouge, c'est un des mecs qui prend le plus de carton rouge dans l'histoire du football quand même. Il avait quand même dit qu'il allait casser la jambe à Neymar, il ne l'a pas fait. Bref, la défense toulousaine, voilà, on peut... Et puis ça sera tout, hein, parce que... Le reste, voilà, l'attaque, quand t'as pas les ballons qui sortent correctement, tu peux rien faire non plus. Donc voilà, les amis, je vais vous parler de la petite règle que je mettrai en place, c'est le carton jaune-orange, le carton orange. Voilà, ça serait que moi, je pense que quand la faute mérite, plus qu'un jaune ne mérite pas un rouge, ça serait que tu prends un carton orange et tu sors 10 minutes dehors. Prochaine faute après, c'est dehors définitif. Un peu comme au rugby, quoi, de mettre un carton, sortir 10 minutes, mais après, il n'est pas forcément définitif quand tu reprends un carton rugby. Et voilà, c'est la petite règle que je mettrai en place. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais en tout cas, voilà. Lyon a gagné 5-1. Lyon est heureux. Lyon va peut-être battre le Barça 6-1. Tiens, pour prendre
pour prendre la revanche du PSG, je l'espère en tous les cas. Et on va être tous supporters des Gones. Et voilà, et comme dit Daniel Riolo, on veut Lyon doit gagner tous ses matchs comme ils l'ont gagné aujourd'hui, avec la manière. Voilà, j'espère que c'est la manière on l'a eu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. C'était le retour de José. Salut. Qui sait pas la prochaine. Je m'enflamme un peu trop, mais je suis heureux. Regardez.